Cette année, on a réussi Super Mario Odyssey, le sol c'est de la lave! Et c'était vachement dur! Mais maintenant c'est parti pour le mode le plus dur de Super Mario Odyssey! Le mode Superstar! Wesh les amis, comment allez-vous? Attendez, on en est où là? C'est le cinquième épisode? Non, c'est le sixième. Wesh, j'ai oublié! Bon les amis, en tout cas ma nouvelle résolution de l'année 2023, c'est clairement pas de connaître le numéro des épisodes que je fais. Bref, y'a pas eu d'épisode la semaine dernière, j'étais occupé, tout ça, mon PC a eu un problème aussi, j'espère que ça marchera. Ça se trouve je vais faire cet épisode et ça va pas fonctionner. Ne parlons pas de malheur, n'oubliez pas de laisser des pouces bleus et let's go pour Super Mario Odyssey Star Mode! Super Star Mode, c'est ça. On avait fini ce niveau et ça a pas été aussi simple que ça pouvait le sembler. Et donc voilà, alors Mario va se faire... il va se retrouver avec un truc violet sur lui. Non mais on va partir direct je crois. Ouais. Il est toujours en suspension hein. Yes on s'en va. En bloquant tout. Mais genre c'est Zawarudo. Y'a pas Bowser là. Oh non je sais où on va. Yes on va à New Donk City. Alors ça va laguer un peu parce qu'il pleut. C'était l'enfer dans le sol c'est de la lave. Genre ça avait lagué de ouf. Là, ça a l'air d'aller. Mais ouais, clairement. Ah, ouais, bon, y a des petits sursauts. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah, qu'est-ce que je vais faire plutôt? Vu que vous avez pas l'air de vouloir sauver votre ville. Qu'est-ce qu'il va y avoir de modifié ici? J'ai bien activé le mode. Bah, ouais, il marchait de toute façon dans le monde précédent, donc. Ok, pour l'instant, y a littéralement rien, ça va. Donc, si mes souvenirs sont bons, y a quasiment aucune lune qu'on peut avoir avant d'être au boss. Enfin, avant d'avoir coupé ce temps pourri, là. Ces affiches sont consternantes de mauvais goût. En vrai, elles sont stylées, ces affiches. Comment ça, de mauvais goût? T'es juste jaloux parce que toi, tu te maries pas. Moi non plus. Non, mais c'est une blague, c'est littéralement exactement pareil. Il a été paresseux ou quoi, Skellux? J'allais mourir alors que c'était pareil. Bon, bah, vraiment tranquille, tout ça, hein. On arrive au boss, là. Waouh! Comment ça se fait que ça a explosé comme ça? Attendez. Ah non, mais le boss, c'est vrai qu'il fallait le chercher en haut. À mon avis, ça va être la zone alternative là qui va avoir été grave modifiée de ouf. Quand j'entends cette musique, j'ai vraiment l'impression d'entendre une musique de Paper Mario 2. Et c'est un compliment. Mais non, mais à chaque fois, je me trompe en fait. Il y a des lunes qu'on peut avoir. En fait, c'est juste que effectivement, on peut pas avoir le bon nombre de lunes. On peut aussi faire n'importe quoi comme moi. Mais en tout cas, il y en a quand même quelques-unes qui sont accessibles, mais pas beaucoup. Wow! Punaise. Je suis obligé de monter là, il y aurait pas des techniques de speedrun pour skipper tout ça? Mais attendez, il y avait des pièces violettes ici? Aucun souvenir. Qu'est-ce qui va avoir changé? Bah... rien. Par contre, ouais, ça c'est pas très sympa. Bah je les ai eus, mais alors par contre... ouais, m'en sortir en vie, ça c'était pas une option. Non mais vraiment, je suis devenu trop fort à Mario Odyssey là! Quoi? Attendez, quoi? Mais comment je monte là? Alors c'est pas impossible je pense. Attendez, on va se mettre là. Bah déjà il y a un truc là, non? Ok, très bien. Alors ouais c'est ça, mais en fait j'étais mal placé là. Allez. Yes! Mais attendez, mais je suis vraiment devenu un pro. Bon ok, le Star Mode il est quand même bien installé. Oh non. Ça va être la même chose là. Ah mais il y a un délire avec le Bilbal. What? Attendez, quoi? Fur. Bien, alors par contre, j'aurais pas l'accès au saut mural. Yes! Let's go! C'est bon. Non mais attendez, mais par contre, quelle idée il a eu de faire... J'ai eu la peur de ma vie, je vous jure. Je dois aller où, en fait, là? Ah, ici? Ah ouais, ok. Non, 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 ça va être peut-être même plus simple que le premier. Genre... ok. What? J'ai pas pu faire de saut mural. Comment ça? Pourquoi? Wow. Bah un petit bug je pense. Ok, on va quand même récupérer ça. Ah mais c'est grâce au Bilbal qu'on pouvait avoir ces trucs là en fait. D'accord, bon évitons de retomber. Let's go. Y'a quoi là-bas? Oh, what? Ok, j'avais défoncé un truc, c'était juste un panneau. Les pièces violettes je vais les avoir hein. Ah bah c'est simple en fait. Juste comme ça. Ok, ok. Il y a juste le Bilbal qui est là pour genre nous faire des dégâts quoi. Il y aurait pas une lune planquée dans le coin aussi? Ah ouais, alors moi par contre, genre je me suis très mal mis. Ok, très bien. Mais je croyais... what? Ok, ça paraissait très difficile mais en fait non. Mais attendez, mais en fait si, parce que... c'est quoi ça?
Ah bah ouais. Non, non, non. Je me suis un peu sauvé. J'ai quand même envie d'aller là-haut, mais la vérité, c'est que je pense... Ok, je pense que le mieux, c'est quand même d'aller valider la sortie. Comme ça, genre, si je retombe, au moins, je pourrais aller, genre, à la fin, quoi. Et ouais, on a tous... Enfin, on a tous des stratégies pour s'en sortir dans ma Odyssée Superstars. Je me souviens bien de ce passage dans le sol, c'était de la lave. Dans le sol, c'était de la lave. Bah, ça l'est encore, mais plus sur ma version, quoi. Les amis, il y a ça dans le mode. Il y avait pas eu ça jusqu'à maintenant. Yes, je pensais qu'ils en donneraient jamais. Donc voilà, mon but, c'était d'aller là. Ok, comme ça, je valide le checkpoint. Et quand ça aura chargé, voilà, je peux faire demi-tower. Aïe, pas comme ça. Attendez, d'ailleurs, je suis pas obligé d'aller jusqu'au bout comme ça. Enfin, genre, je peux faire ça, non? Ah ouais, petit raccourci. Et là... Yes! Mais c'était super simple, en plus, je suis arrivé du premier coup. Ah, j'avais fait un saut mural? J'ai pas vu ça comme ça, mais si vous voulez... Let's go, je fais quoi là? Non mais attendez, mais je fais quoi là? Bah, y'a rien. Bah, écoutez les amis, je pensais qu'il y aurait une petite lune de cachet. Mais le fait est qu'apparemment non. Ah ah! J'ai vu un truc. Ah ouais, mais attendez, mais quand je vais jusque là-haut? Quoi? Fur, c'est trop haut. Je sais pas comment faire. Un triple saut? Bon, c'est pas possible. Peut-être on peut faire un saut... Un triple saut comme ça, ouais, non, ça me paraît impossible. Non, mais, ok, j'abandonne. Je sais pas comment on fait. Par contre, en fait, le fait qu'il nous donne un triple... Enfin, un cœur supplémentaire, c'est peut-être très mauvais signe. Mon ami à moi est monté et il ne redescend pas. Il y a vraiment un ami à lui là-haut? Il doit être mort. Ah, mais non, il est là. Mince, dommage. Ok, let's go, c'est parti pour le boss. J'espère que ce sera pas si dur. Mais, il y a aucune différence. Vas-y. Ok, et... Waouh. Il a l'air d'être un peu plus rapide, non? Yes, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Vas-y. Seul moment, feu! Bah, parfait. Dans le sol, c'est de la lave. Ce qui était dur, c'est que, genre, le terrain, il était tout petit. Là, il n'y a rien de... Bah, de pas pareil, en fait. Ce boss doit être un enfer pour les speedrunners, parce que c'est super long. Ok. Non. J'ai pas besoin de détruire tout ça. C'est bon, c'est bon. Vas-y. Waouh. Ah, mince. J'en ai loupé un, qui est pourtant évident. Non, 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 là-haut, là-haut, là-haut. Oh, je peux, je... Non, je peux plus. Oh, il refait ça, punaise. Eh, il le fait qu'une fois, yes, merci, nickel. Bon, allez, on s'en fout. Faut juste que je tire au bon endroit. Mais je vise comme un pied ou quoi? Non, quoi? Je l'avais eu. Oh, c'est bon. Quoi? Oh, yeah. Bah, écoutez, il y avait aucune modification. Merci, Scalux, pour cette lune, cette triple lune extrêmement aise. Et le soleil brille une nouvelle fois sur la ville de New Donk City. Vous avez la ref? Et ça date quand même. On est débarrassé du scolopon, nanana, nanini. La ville a retrouvé ses couleurs et son agitation habituelle. Ok, mais là je vois ni ennemi, ni vide. On est vraiment sur le super star mode? On est sur le super easy mode, non? Oh, ça. À chaque fois, je vous dis ouais, c'est l'enfer, c'est horrible ce truc. Et genre la dernière fois, avec je sais plus qui. Avec je sais plus qui, c'est vrai, j'étais avec qui? Long, je crois. J'ai fait du premier coup. Comment ça? Attendez, j'ai dépassé 20. Pourquoi ils m'en ont pas donné? C'est pas à 20? C'est à 50? Il va avoir changé. Ah, ok. Alors, par contre, ouais, j'aime pas trop. Je voyais plus rien. Est-ce que ça irait pas plus vite? Waouh. Normalement, ça doit s'arrêter d'accélérer à un moment. Waouh, je vais me faire avoir. Ah! Ne me parlez plus jamais de corde à sauter. Je crois que ça allait quand même plus vite que dans le jeu de base. Oh, bah. Alors. Si elles sont à un endroit facile, ça veut dire que les pots sont dans un endroit difficile. Bah non, ok. Ah mais non, mais faut d'abord aller voir la mairesse. Mais attendez, mais ça va être extrêmement simple ce niveau, enfin je suis choqué. La ville a retrouvé son agitation habituelle grâce à moi, merci, blablabla. Maintenant il faut 4 musiciens, bah écoutez, on sait exactement où ils sont. Alors ils vont quand même pas nous redonner des lunes. Ouais, vas-y. I am shocked. C'est clairement le mode non impossible de Super Mario Odyssey ça hein. Ouais, je suis impressionné par ton son, vas-y, redonne-moi une lune de plus. Merci. Là, j'ai pas d'excuses, hein. Je vais pas acheter une lune dans le shop quand même. On va essayer d'aller jusqu'au festival. Ça, c'est cool. Allez, normalement, il y a un musicien là-bas. En plus, il les a même pas cachés. Bah, après, à quoi bon cacher les musiciens en vrai, hein. Ça sert un peu à rien. Et là, il va pas y avoir une lune quand même. Prout. Je te dis tout, bah, la mairesse, elle veut faire un concert, donc vas-y, donne ta lune. Il est où le dernier? Il est pas genre on the roof? C'est pas ici qu'on apprend à s'améliorer sur un Odyssey, donc au moins, je vous apprends un peu l'anglais. Bon, je crois qu'il est vraiment haut, quelque part. Je sais plus exactement où. De toute façon, on va avoir une lumière à 10 km, comme d'habitude. Mais je veux ça aussi. Je crois qu'il est là-bas, d'ailleurs. Yes. J'entends une lune, non? Attendez. Il y a une lune en dessous? Là, il y a une lune. Mais...
Attendez, mais quelle était la difficulté en fait? Me dites pas que genre la stratégie c'était qu'il fallait que je descende et que genre je galère entre guillemets à faire ça. Ah, parce que ça aurait absolument pas été la galère en fait. Lui, c'est bon, je le vois au loin. Quel va être le piège là? Même le chrono il est pas ralenti. De toute façon on peut le faire sans les plateformes je crois le truc. Enfin bon, salut. Eh, ah, ouah, wow, faire le malin, j'ai failli bah tomber dans le ravin littéralement. Tu es formidable! Yes, sauf que bah y'a plus le courant. Enfin y'a plus le courant mais toutes les lumières sont allumées, d'accord. Alors je crois que c'est une triple lune d'ailleurs là-bas. J'ai même pas eu le drapeau qui était là. Oh oh, salut. Eh hey, qui a mis cette table devant mon chemin? Je veux dire comment je vais là-bas? Avec un tuyau qui se cache quelque part. C'est une histoire pour un autre jour. Mais attends, mais il y avait une triple lune là. Plus une triple lune dans le concert. Aïe aïe aïe, je serais presque à la fin sans avoir presque rien fait. Là. Y'a des différences ou pas? Ouais, y'a plus de violet. Oh! Attendez, y'avait pas des trucs planqués ici? Non, je crois que ça... Si, y'a un truc, demi-tour. Là, ici... C'est quoi ça? La mort. Ce n'est pas dur, mais j'arrive à mourir tout seul. Oh, oh! Y'a un rat! On est à Paris ou quoi? Wow, 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 wow! Ok, d'accord, y'a un petit problème. Oh, enfin, un petit problème très mineur. Ok... Yes, rends-moi ma casquette par contre. Ok, c'est bon. Non, mais parce qu'on se souvient de l'autre niveau où ça nous rendait pas notre casquette, mince. Wow, ok, d'accord. Et mais je me sens vraiment nu sans capi. C'est pas ouf ça. Let's go. Yes, très bien. Mais j'ai même pas besoin de désactiver les trucs en vrai. Genre, j'ai juste à faire ça comme ça. Bon, en fait, je vois. Ils ont essayé de compliquer un peu le truc. Mais la vérité, c'est que c'est toujours pas très compliqué. Ah, mais là, je serais peut-être obligé, non? Ah non, bah non, même pas en fait, parce que regardez. Moi, j'ai tout compris. Oh! Aïe, c'est pas grave. Ça l'a mis en position, c'est bien. Et donc là, ouh, merci. Bon, j'ai pris un point de dé. Mais attendez, comment ça j'ai plus que 3 points de vie? J'avais pas eu un cœur triple là? Il est où? Il est où? Mais ils me l'ont supprimé. Oh non, 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 non. J'avais une occasion de devenir riche et je ne l'ai pas saisi. Alors ça par contre ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Ça c'est effectivement un petit peu plus complexe. Ça s'arrête dans quelle position? Ouais bah la position de base. Comment on va faire? Y a pas un autre chemin? Non, et j'ai envie de pisser. Alors à mon sens, ce n'est pas toujours le bon. Voilà, c'est ça qu'il fallait faire. Bon bah ok, mon sens a été bon pour une fois. Alors là par contre il doit y avoir une lune, non? Ou un truc. Là par contre on pourra pas faire la même bêtise. Waouh! Mais je suis censé faire quoi là en fait? Feur! Non mais. Hein? C'est dommage parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a un truc dur, j'arrive pas à le faire. Et je pense que je comprends. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est ça et là. Yes, 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 yes! Et après, je vais où? Je vais où? Je sais pas où je dois aller! Ah, là, là-haut, ok, c'est bon. Comment j'ai réussi à faire ça? Vous pouvez me laisser des pouces bleus quand même. Eh mais j'ai vraiment brain le jeu moi, je suis trop chaud. Est-ce que je vais réussir à aller là sans mourir? Je vois rien. Ok, il aurait juste fallu que j'active... Enfin c'est bien que j'ai pas activé le truc justement. Alors, ok, il y a eu un petit, une petite lune assez cool, ça c'est bien. Un plus de violet que d'habitude, d'accord. Alors la difficulté va être effectivement de ne pas perdre Capi. On se sait. J'ai perdu Capi? Non c'est bon. Oh j'ai eu peur, j'ai vu ma vie défiler devant mes yeux. Ok non, non, ah. Bon, j'ai largement assez de vie pour tout ça. Vas-y, et... Let's go! Bah c'est bon. Ah, c'est qu'une lune? Je croyais que c'était une triple lune. Non, bah je vais pas m'en plaindre parce que comme ça je vais pouvoir explorer un peu plus ce niveau. Parce qu'en vrai je l'aime trop, Union City c'est l'un des meilleurs niveaux. Quand on va essayer de faire le 100%, oh là là. Et voilà, la machine, elle remarche. Ah bah non, elle remarche pas, faut activer le bouton. Mais vu que vous savez pas faire des charges au sol, les refs là, comment vous faites pour activer le bouton à chaque fois qu'il se désactive? Parce que Mario ne sera pas toujours là pour vous, hein. C'est la deuxième fois qu'il sauve Pauline. La deuxième. La deuxième. Ah oui, 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 oui. Donkey Kong et... Ah bah non, bah il y a eu les Mario versus Donkey Kong aussi, avec les mini Mario. Par contre, toutes ces lunes, je comprends pas pourquoi ils préfèrent alimenter la ville en énergie avec ces lunes, plutôt que nous les donner. On en a besoin pour sauver ce monde. J'ai toujours très envie de faire pipi. Décidément, aucun problème ne te résiste, tu es vraiment formidable, merci infiniment. Allez, allez, blablabla, blablabli, et voilà, on va faire le festival. Un festival des festivaux. Et la maman des festivaux, c'est la festivache. Bon, je ne vous refais pas une cover de la musique parce que sur TikTok, j'en ai fait une. L'enfer. En live en plus. Par contre, c'est trop bien. Ça rappelle tellement les souvenirs, c'est trop ouf. Time to raise yourself. It's time to... Oh, je connais plus les paroles. Est-ce qu'il va avoir modifié ça? Je sais pas, hein.
in a flash. Et j'ai vraiment oublié les paroles. Wow! Mais pourquoi je suis habillée comme ça? C'est trop moche. Happy World. Je connais que la fin. Oh yeah! Tout, 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 tout. It's time to rev up easy air. Bon, ok, c'est un enfer, je connais même plus les paroles. Et en plus, je chante trop faux. Mais ça, c'était vraiment l'un des trucs les plus épiques de Mario Odyssey, vraiment. Et mais j'aimerais bien plus de easter egg comme ça dans Mario Odyssey. Hein. C'est dommage qu'ils aient pas mis genre le pays de Daisy, tout ça, ça aurait été grave cool. Let's do the Odyssey. Et voilà les amis, c'est reparti pour Donkey Kong. Mais d'ailleurs, c'est Donkey ou c'est Cranky, hein, les refs? Vous êtes dans quel team, vous? Dites dans les commentaires. J'ai aucune idée de si c'est plus difficile ou pas. Genre, est-ce qu'il y a plus de tonneaux que dans la version de base? En tout cas, il y aura peut-être plus de morts de Kirbendo, ça c'est clair. Non, c'est bon. Il y a peut-être plus de tonneaux. Mais bon, c'est sensiblement pareil, quand même. Coucou, Cranky, Donkey, on sait pas trop. Et let's go! On a re-sauvé Daisy, une fois de plus. C'était il y a quand même bientôt 40 ans. Waouh. Merci d'avoir participé au festival. Là, 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 merci pour cette triple lune. Bon, il va m'en rester quand même combien à voir? Bah, je sais pas, le truc a disparu. Il m'en reste encore 4. Et je pense que celle de la pousse n'a pas poussé, justement. Donc comme ça, on va pouvoir en avoir d'autres. Ouais, c'est bon, elle est pas prête, très bien. Bon, ces lunes-là ont pas été modifiées. On va plutôt aller, genre, dans les zones alternatives. Genre, là, il y a une porte. Voyons voir. Quoi? Fur? Bon, ça suffit, je peux arrêter de dire quoi faire. Qu'est-ce que... Attendez, mais quelle est la difficulté? Bah, enfin, je vois un peu la difficulté, mais je veux dire... Ah ouais, d'accord, ok. Les frères Merdo, là, oh non. Ah ouais, ah bah super. Oh non, 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 non. Non, 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 non. Quoi? Non, 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 non. Attendez, je perds grave du temps. Yes! C'est pas fini? Mais attendez, mais ça finit quand là? Oh non, mais attendez, mais je vais forcément me faire toucher là. Et j'aurais pas dû perdre un point de vie dès que je suis arrivé ici, c'était un peu débile. Super. J'ai gagné trop de pièces dans cette vidéo. Bon, ne faisons pas les enfants, c'est facile ça. C'est juste qu'avec la perspective, par contre, on a du mal à estimer les sauts. Oh bah, en plus je l'ai tué. Je... Waouh. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt, mais... Bah, en plus, j'aurais clairement pu le tuer avant d'activer le truc en fait. Genre ouais, d'accord, ok, très bien. Wouhou! Non, non, c'est en bas. Ouais, il fallait pas capturer un bilbal. Et là, pour terminer... Par contre, elles sont apparues en même temps, ces deux trucs, je savais pas. Et là... Yes! Bon, j'avoue que les frères marteaux, ça a rappelé des souvenirs terribles de l'enfance dans Super Mario Bros. Ah, je vais pas faire le mec edgy, j'ai pas joué à Super Mario Bros dans mon enfance. Moi, bon, ah, c'était Team Super Mario 64 et Super Mario Advance, Super Mario Bros 2 et Wario Land. Et je pense que ça suffit. Quelle autre zone alternative on a? Je crois qu'on a l'embarras du choix. Oh, oh, ah, 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 ah. Bah déjà, là, il y a une lune. Ouais, mais non. Non, 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 celle-là, on va pas la prendre. Ok. Est-ce que c'est dur, même? Ok. Alors, c'est pas très dur, mais quand même... Oh, non. Ok, je peux y arriver. Mais est-ce que j'ai envie de le faire, même? Non, mais je suis tarpin débile, j'aurais fait un triple saut à la fin, je l'aurais eu. Allez, alors... Et là, tout, tout, tout. Yes! Non, bah ça va, ça va. Je récupère un max de pièces violettes aussi parce que j'ai envie d'acheter les transformations là. Enfin, les costumes. Et donc lui là, c'est Jumpman. Mais Jumpman, c'est pas le père de Mario, c'est Mario. Normalement, je sors aujourd'hui une vidéo sur TikTok pour l'expliquer, alors allez la voir. Qu'est-ce qu'on peut acheter ici? Mario de golf? Mais j'ai pas assez d'argent, si? Ah yes, je veux ça. Mais attendez, mais c'était pas genre Mario en costard ici? Non? Enfin, en smoking, je sais pas trop la différence. Ah non, c'est dans la boutique de pièces, d'accord. En tout cas, j'achète la lune de la boutique. Comme ça, ça me permet de compléter le 100% du jeu, mais je la compte pas dans les lunes que je dois récupérer pour passer au monde suivant. Donc, il m'en reste encore 2. J'entends des lunes partout qui me disent « Prends-moi, prends-moi !» Mais je veux pas. Ah, encore une zone alternative. Merci, il va y avoir quoi, là? Oh, bah... Trop facile. Ça, je crois, j'y suis pas allé encore. Ah ouais! Peut-être un petit peu de challenge, pour une fois. Alors, voyons. Quelle est la difficulté, là? Ah, bah, déjà, ça commence bien. Non, mais... Ok. Ok, bon, ça va. Oula! Ils ont l'air un peu violents, eux. Mais c'est un peu comme d'habitude, non? Oh, oh, alors déjà, ça, c'est pas très sympa. Bon, je fais quoi, maintenant? Déjà... Là, on peut plus m'avoir, nickel. Est-ce que je suis obligé d'essayer d'avoir tous les trucs? Parce que genre... Mince. En fait, ça va être chaud de réussir à les posséder après.
Vas-y. Ok, et maintenant... Bon, en fait, non, je gagne pas de temps, rien du tout. Non, on s'en fout. Oh mon dieu, tout ce qu'il y a derrière! Ah, mais je vais y aller depuis la fin, non? Attendez. Par contre, on est grave loin. Wow! Oh, c'est pas très sympa. Surtout qu'en plus, il y a deux lunes ici, non? Vraiment, dans ce genre d'endroit, il y a toujours deux lunes. Mais où pourrait être l'autre? Ouais, chaud. Alors, je vais essayer d'aller là-bas. J'y vais doucement, hein. Ah ouais, surtout que là, il y en a qui peuvent m'avoir en... Wow! Ok, pas très sympa. Là, je crois que je suis trop haut pour qu'on puisse m'avoir. J'ai eu toutes les pièces violettes. Ah non, il y en a une là-bas. Mais en fait, je trouve ça quand même un peu bizarre. Parce que genre, il y a toujours une lune de cachée quelque... Là-bas. Bon. Déjà, je récupère ça. Et ensuite... Ok, vas-y, vas-y. Oh non, non, non. Je vois rien. What? Attendez, fallait que j'emmène un Bilbal qui faisait exactement la bonne taille. Enfin, c'était lui. Ok, je sais. Donc juste là, lui le plus facile en plus à avoir, normalement. Hein. Non, je suis trop bas. Peut-être pas. Voyons voir. Je suis trop bas, non? Yes, c'est bon! Wouh! Let's go. Ça me tue, Mario qui va dans les poubelles. Il n'a donc aucune fierté. Bon, maintenant que je suis là, le niveau va sûrement pas être très compliqué. Genre... Ah ouais, mais non, mais faut pas que je les expose aussi. Bon, on avance. Lui, faut que je l'ai. Bon, là, c'est un peu trop tard. Yes! Et donc maintenant, on peut passer tranquille comme ça. Let's go! Bon, c'était pas exactement la façon dont fallait faire, mais je m'en fous du moins que ça marche. Oh non, 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 t'en vas pas! Et donc c'est bon, j'ai le nombre de lunes qu'il faut! Maintenant, on fait quoi? Faire. Bon, en vrai, il y a tellement de lunes super simples que je peux récupérer, genre maintenant que j'ai le compte. Au moins, on en sera débarrassé quand on fera le 100%. Vas-y, celle-là. Dans ce niveau, il a vraiment pas fait beaucoup de modifications. Hein. Je pensais dans les commentaires qu'on me disait que ce serait dur quand j'arriverais ici, mais non. En tout cas, les gens qui disaient « Ouais, plus tu vas aller dans le jeu, plus ça va devenir dur », bah... c'est plutôt l'inverse. Ou c'est juste moi qui suis devenu incroyablement fort. Yes, celle-là, elle a éclos. Let's go. Bah. Et... Merci. Ça aussi c'est grave simple, vas-y. Ouais c'est génial, je sais. On avance comment déjà? Comme ça, alors, comment je tourne? Ah oui, avec l'autre stick, d'accord, ok. Wouhou! Je suis trop fort, attendez. Ah non. Voilà, et là. Quoi? On peut pas y aller sur les côtés? Ah! Je n'avais pas vu les choses comme ça. Mais c'était grave simple. Ah mais là il y a une graine, faut que j'aille la mettre. Voilà, bon bah on n'attend pas 15 minutes hein. Il a laissé la lune ici. Et bah ouais. Ok. Avant de partir, je vais quand même essayer de mettre l'autre graine, mais je sais plus où c'est. Je sais juste que c'est sur l'un des toits. Oh coucou toi, tu vas encore te jeter dans le vide? Quoi? À quelle heure c'était dur? Attendez, mais il est pas censé avoir une piscine ici? Ou c'est plus haut? Je trouve vraiment pas l'autre endroit pour mettre la graine. J'ai complètement oublié. Oula, il y a l'air d'avoir des trucs intéressants ici. C'est quoi tout ça? What? Une clé? Mais pourquoi? Sir. Ok, allez, let's go! Je peux pas aller plus vite, hein. Ah ouais! Ah, carrément! Ah, ça c'était cool! Mais encore une fois, c'était trop facile là! Genre, le chrono il commence enfin à s'accélérer. Ouais, genre il commence enfin à dire ouais, dépêche! Mais genre c'est bon, je l'ai. Ah, c'est bon, la piscine elle était là. Je récupérais quand même aussi cette lune. Genre comme ça j'en aurais eu mes 30 en fait. Waouh! Yes! Ah, mais non, mais j'en ai que 28. Attendez, parce que là, il y a le capitaine Todd. Tout là-haut doit en avoir une. Avec le bonjour du capitaine Todd, merci! Je crois que j'ai jamais eu autant de pièces violettes dans un niveau que dans ce niveau-là sur ce mode. Alors, en fait, il va me rester quasiment que celle des niveaux alternatifs, c'est cool. Je crois qu'il y a une lune tout là-haut. Et encore, je suis plus tout à fait sûr. Mais ça me paraît très évident, non? Et bon voilà, effectivement. On a nos 30 lunes! Juste avant, j'avais vu des pièces violettes, juste là. Est-ce que je vais les avoir? Est-ce que je vais... Yes! Parfait. En tout cas, les gens, tout ça va marquer la fin de cette vidéo qui était en fait super facile, genre le mode impossible, ouais, mon œil, ouais. N'oubliez pas de laisser plein de pouces de compte et de vous abonner. Et on se retrouve samedi prochain pour la suite. Salut! Thank you.